Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall, invité d'honneur de la fête de l'indépendance de la Gambie le 18 février prochain. L'annonce est du ministre gambien des Affaires étrangères, Ousseynou Darbo. Dans la foulée, la CDAO a transféré tout l'armement qui se trouvait à Kanilaï. Décision de l'état-major de la force sous-régionale en mission dans ce pays. Focus ce soir sur les quartiers résidentiels de Dakar. Que de disparités et de mutations. Si certains gardent encore jalousement ce statut, d'autres le perdent sans qu'il y ait gare. Dans le même temps, les pôles urbains accueillent de nouveaux habitants. Des sites, des visages différents à suivre dans la série sur l'habitat que nous vous proposons. L'amour plus fort que tout, encore plus fort que jamais. Malgré les turpitudes de la vie de couple, la rose rouge refuse de se faner et résiste. Contre vents et marées, les sentiments se consolident et font battre les cœurs de monsieur à madame en passant par mademoiselle. La Saint-Valentin tient toujours son Eros. Bonsoir à tous. Le président de la République est de retour à Dakar en provenance des Émirats Arabes Unis. À Dubaï, le chef de l'État a pris part au sommet mondial sur la gouvernance. C'était à l'invitation de l'émir de Dubaï à son arrivée dans la soirée. À Dakar, le président Macky Sall a été accueilli par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le président de la République a reçu à Dubaï plusieurs investisseurs prêts à accompagner le Sénégal dans ses projets d'envergure. Le président Macky Sall a également eu un déjeuner d'affaires avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Zayed Al-Nahyan, vice-commandant suprême des forces armées des Émirats Arabes Unis. La synthèse de Abou Bakri Kad. La coopération bilatérale entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis en général et l'émirat d'Abu Dhabi en particulier, a de beaux jours devant elle. Le prince héritier Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan et le président Macky Sall ont, à travers cette rencontre, échangé sur la politique internationale, la paix, la sécurité et la lutte contre l'extrémisme violent. Les Émirats et le Sénégal, qui partagent les valeurs de paix et de convivialité, se sont engagés à promouvoir l'image authentique de l'islam. À Dubaï, le chef de l'État a également reçu plusieurs partenaires, notamment des institutions financières qui ont exprimé la volonté d'investir au Sénégal. Nous avons mis à la disposition de Son Excellence, Monsieur le Président, et du Sénégal beaucoup de solutions à beaucoup de financements ou de besoins en financement pour continuer à faciliter la croissance de ce pays. Notre ambition, c'est bien sûr de continuer à accompagner la République pour des emprunts sur les marchés des capitaux et aussi pour des opérations plus ciblées sur des projets d'infrastructure au Sénégal. Il s'agit pour ses filiales d'accompagner le président Sall dans la réalisation de ses projets d'envergure, non sans apprécier la situation économique et financière de notre pays. Nous avons rencontré certainement les banques les plus importantes du monde, soit Citibank, que ce soit Deutsche Bank, que ce soit JP Morgan, Standard Chartered, Standard Bank. C'est un réconfort, c'est une satisfaction que de voir toutes ces institutions crédibles dire ce qu'elles pensent de la gouvernance du président Macky Sall, dire ce qu'elles pensent des projets qui sont en train d'être mis en œuvre au Sénégal, mais surtout montrer leur disponibilité à accompagner le Sénégal sur les marchés financiers internationaux. Bonjour. 3 ans après la mise en œuvre du PSE, les résultats sont appréciables. Il n'y a pas un seul projet sur lequel ces institutions ont émis des réserves. Le cadre macroéconomique, la baisse du déficit budgétaire et la maîtrise de l'inflation sont certainement à la base des performances enregistrées ces dernières années. Des efforts importants sont faits en matière d'environnement des affaires, que ce soit au niveau de la fourniture de l'énergie, mais aussi de la capacité de nos administrations à accueillir, à soutenir les investisseurs dans un cadre sain, dans un cadre sûr. Je pense que c'est tout cela qui est magnifié aujourd'hui par les investisseurs que nous avons rencontrés et qui souhaitent accompagner la vision du président Macky Sall. Infrastructure, énergie et tourisme sont entre autres les secteurs pour lesquels les investisseurs reçus par le chef de l'État ont manifesté de l'intérêt. D'autres comptent travailler comme conseiller du Sénégal en notation souveraine
sur le marché des capitaux. Le président Macky Sall sera l'invité d'honneur de la fête nationale de la République de Gambie, un témoignage de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pendant la période difficile que vient de vivre ce pays. Reçu cet après-midi par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ousseynou Darbo, a transmis le message du président Adama Barrow et du peuple gambien. Le voici au micro d'Oumar Marning. Je suis venu adresser au président Macky Sall un message de fraternité et les salutations fraternelles de son ami et frère, le président Adama Barrow, pour tout ce que le Sénégal a fait pour la Gambie durant la période très difficile que la Gambie a eu à traverser. Le président Macky Sall a non seulement accueilli le président Adama Barrow ici au Sénégal, mais c'est ici au Sénégal qu'il a prêté serment. C'est un témoignage de teranga, de fraternité, d'amitié. Et je suis venu ici pour apporter ce message de fraternité et dire toute l'appréciation du président Adama Barrow à l'endroit de son frère Macky Sall, mais aussi toute l'appréciation du peuple gambien, frère au peuple sénégalais. Le président Macky Sall sera l'invité d'honneur de la fête nationale de la République de Gambie. C'est un événement que nous préparons au niveau de la Gambie. Le président Macky Sall quitte juste une chambre de sa maison pour venir vers une autre chambre de sa maison parce que le Sénégal et la Gambie, c'est un même peuple, c'est un même pays. Nous préparons l'événement et nous considérons que le président Macky Sall mérite largement d'être l'invité d'honneur de la fête nationale de la Gambie. Dans le même temps, tout l'armement qui se trouvait à Kanilaï sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh va être transféré ailleurs. C'est la décision que l'état-major de la force de la CEDEAO en Gambie vient de prendre. L'arsenal va être stocké dans d'autres endroits qui répondent à la réglementation en vigueur dans ce pays, dans ce domaine précisément. Envoyé spécial à Bandioul, à Medoumaïdoum. Dans le sud-ouest du territoire gambien, dans une zone frontalière avec le département de Bindiona, la localité de Kanilaï, village natal de l'ex-président Jammeh, a acquis, sous le régime de ce dernier, une autorité très particulière, voire sulfureuse, au détriment de Bandioul, la capitale, Serekunda, Bakau ou Brikama, par exemple, des villes plus importantes dans ce pays. De Kanilaï, l'opinion étrangère a tout attendu. Dernier rempart du président déchu. Place forte inexpugnable, bref, pendant longtemps, tout a été ici, mystère, secret, avec des histoires dont on a toujours parlé et qui sont les plus invraisemblables les unes que les autres. Aujourd'hui, voici Kanilaï dans toute sa nudité, un domaine privé de 8 km² où les éléments de la force de l'Ecomic qui y ont débarqué pour la première fois, sous la conduite du général François Ndiaye, commandant la force militaire de la CEDEAO, ont été accueillis par le général Moussa Savage, commandant de la garnison locale qui, il faut le souligner, a, dès le départ, refusé avec ses hommes de combattre contre la force ouest-africaine, affichant plutôt toute sa disponibilité à collaborer avec les nouvelles autorités gambiennes. Après un entretien avec le général Savage, le général Ndiaye a aussi rencontré des membres de la famille élargie de Yahya Jammeh avant de jeter un œil sur l'arsenal militaire dont était pourvue la garnison. Des chars T-54 et T-55 fabriqués dans l'ex-bloc de l'Est, des BRDM, véhicules de transport de troupes, un armement anti-aérien, des armes individuelles et enfin beaucoup de munitions. Selon le commandement de la force ouest-africaine, toutes ces armes de guerre vont être transférées ailleurs puisque le site sur lequel elles se trouvent est après tout un domaine privé. Et puis ce communiqué du cabinet du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, lundi 13 février 2017, des éléments de la brigade des douanes de Saraya ont effectué une intervention dans la commune de Rosanto à la suite d'une vive altercation entre douaniers et orpailleurs. Un coup de feu a été tiré et a atteint mortellement le nommé Yamadou Sanya.
Le gouvernement regrette vivement ces incidents et condamne les actes de violence qui ont abouti à une mort d'homme. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime, appelle les populations au calme, à la sérénité et les invite à laisser la justice faire son travail. En effet, suite à l'arrestation des deux douaniers mis en cause pour les besoins de l'enquête, le parquet a ouvert une information judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour que justice soit rendue, le ministre porte-parole du gouvernement. L'Institut sénégalais des administrateurs, ISA, a lancé son programme gouvernance d'entreprise. Il réaffirme son engagement à mettre la bonne gouvernance au service du développement de l'entreprise. L'ISA mène des actions d'information et de promotion des bonnes pratiques destinées à améliorer la performance des entreprises. Rouya Touba. Pour être performantes et compétitives, les entreprises doivent adopter de bonnes pratiques érigées en règles de gouvernance d'entreprise. La gouvernance d'entreprise, c'est le levier qui permet aux entreprises d'asseoir des décisions correctes dans leur gestion et dans leur stratégie. L'entreprise privée est le moteur de la croissance et du développement économique dans un pays. Par conséquent, quelle que soit l'importance de l'investissement public, si les entreprises privées ne prennent pas le relais pour assurer le développement et assurer la création de richesses au niveau de l'économie du pays, le développement ne peut pas être assuré. Et ce développement-là, c'est cette croissance, cette stratégie d'entreprise doit être envisagée dans le cadre d'une bonne gouvernance des entreprises concernées. La gouvernance d'entreprise est gage d'efficacité et vecteur de croissance pour les secteurs publics et privés. Il faut cela pour assurer les bailleurs, il faut également cela pour rassurer les actionnaires. Ça, c'est pour le secteur privé. Mais pour le secteur public également, la bonne gouvernance, elle est importante. Les grandes entreprises d'État doivent donner l'exemple de bonne gouvernance. C'est ainsi que, dès l'adoption du Code en 2011, le Premier ministre a pris une circulaire pour imposer à tous les conseils d'administration de ces entreprises publiques d'adopter ce code de gouvernance et aux administrateurs également de signer la charte de l'administrateur. Toutes les entreprises peuvent adhérer au code de gouvernance. L'Institut sénégalais des administrateurs veille à la mise en œuvre des bonnes pratiques par des entreprises en quête d'efficacité. Retour sur le séjour du président Macky Sall à Dubaï, le chef de l'État a reçu Roger Nord, directeur adjoint du département Afrique du FMI. Il s'est réjoui des performances du Sénégal, aussi bien au niveau de la croissance qu'au niveau des investissements privés. Il a aussi évoqué la situation sous-régionale tout aussi bonne. Roger Nord au micro de Oumar Ning. C'était pour moi un grand plaisir et un honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République. Nous avons parlé surtout de la situation régionale dans l'UMOA, une région qui se porte bien aujourd'hui avec des taux de croissance importants, mais qui fait aussi face à des défis communs, comment financer les investissements qui sont importants pour la croissance, comment maintenir une dette soutenable et la stabilité financière de la zone. Nous avons eu un très bon dialogue. Le Sénégal est sur une voie très positive, on le voit d'ailleurs dans la croissance qui maintenant, deux années de suite, a été bien au-dessus de 6%, on le voit dans les investissements qui se réalisent. Et on le voit aussi dans l'investissement croissant étranger qui arrive. Et c'est bien ça dont le Sénégal a besoin. L'investissement public va devoir donner lieu à des investissements privés plus importants pour assurer une croissance soutenue et inclusive dans le futur. Roger Nord, directeur adjoint département Afrique du FMI, reçu par le président Macky Sall ici à Dakar. L'Afrique de l'Ouest détient les eaux les plus poissonneuses au monde. Les ressources halieutiques rapportent en valeur commerciale 2 milliards de dollars par an. En lançant la deuxième phase du PRAO, la commission sous-régionale de pêche CSRP veut élargir ses capacités d'action avec l'arrivée prochaine de nouveaux pays pour booster l'économie maritime. La première phase du PRAO tire à sa fin. Et la deuxième est lancée, Habib Oumaïr.
Personne ne voulait rater la photo de famille pour garder le souvenir d'une première phase qui tire à sa fin et démarrer une deuxième pour les acteurs du programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO. 6 années dont la coordination a été confiée à la Commission sous-régionale des pêches, CSRP. Que retenir à l'heure du bilan? Le bilan est assez positif parce que si vous prenez en compte... Aujourd'hui, on a constaté dans certains états bénéficiaires du PRAO du recul de la pêche INN, de l'augmentation des mises à terre. C'est un aspect assez significatif de l'expérience qui a été partagée au niveau du PRAO. Aujourd'hui, nous avons la perspective d'accueillir dans le PRAO la Côte d'Ivoire et peut-être prochainement le Togo et le Bénin. Donc l'expérience enrichissante que nous avons eue jusque-là justifie cette extension. Extension des objectifs orientés vers la réduction de la pêche illicite, de la gestion des pêches et de sa contribution dans les économies locales. Des actions soutenues par les partenaires dans la Banque mondiale. En Afrique de l'Ouest, ne bénéficie pas du secteur des pêches à leur juste mesure, pour différentes raisons. Une première raison, c'était la pêche illégale. Dans beaucoup de pays, la pêche illégale était très importante, très très importante même dans le sud de l'Afrique de l'Ouest. Je pense notamment au Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, où vraiment jusqu'à récemment, c'était des refuges pour des bateaux de pêche illégale. Une deuxième raison, c'est la mauvaise gestion des pêches. En fait, si les bateaux sont trop nombreux par rapport à la quantité de poissons, eh ben on arrive à la surexploitation. Et en fait, c'est une perte en termes de sécurité alimentaire, c'est une perte en termes de revenus aussi. Et la troisième raison, c'est le manque d'infrastructures ou bien le manque d'efficacité ou de productivité de la chaîne de valeur. Donc c'est ces trois raisons et c'est exactement les trois piliers du programme régional. Les eaux des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont réputées parmi les plus poissonneuses du monde. Chaque année, la production de poissons pêchés dans les eaux ouest-africaines est estimée à plus de 1,6 million de tonnes pour une valeur commerciale estimée à 2 milliards de dollars environ. Le PRAO mis en place par les pays membres de la CSRP, plus le Ghana et le Libéria, va continuer dans sa phase 2 à charrier des vagues d'espoir dans les côtes ouest-africaines. La caserne générale Mambouna Mafal a abrité un séminaire international sur la radicalisation religieuse des jeunes. Une rencontre présidée par le ministre des Forces armées et qui entre dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Sédina Alunfal. Creuset du savoir et de l'excellence, l'école des officiers de la gendarmerie nationale a célébré ses 10 années d'existence. Parmi les activités déroulées figure ce séminaire international, une rencontre qui a réuni d'imminentes personnalités, parmi elles des experts religieux et universitaires. Des participants qui ont eu droit à une présentation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Notre jeune école, l'EOGEN, a jusqu'à ce jour formé au total 584 stagiaires, dont 209 élèves officiers et 375 officiers élèves provenant de 18 pays partenaires d'Afrique. Le ministre des Forces armées a présidé la rencontre qui a pour thème la radicalisation religieuse des jeunes. Le gouvernement du Sénégal demeure pour sa part convaincu que la lutte contre l'extrémisme violent requiert une coopération forte entre pays amis et ce, partageant le même espace sous-régional et régional, car les menaces asymétriques sont transfrontalières et leurs réseaux ont des connexions mondiales. Cette célébration des 10 ans de l'école des officiers de la gendarmerie nationale a débuté ce 12 février. Elle prendra fin ce samedi 18. 2,32 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la modernisation des daras modernes au Sénégal. Au total, 64 daras seront construits. La cérémonie de lancement a eu lieu à Kolda, au quartier Medina Sherif. Massamba Tchana. Voici le premier coup de truelle qui symbolise la construction des 64 daras modernes initiés par le président de la République et financés par la Banque islamique de développement. Dans le Fula, 8 daras modernes seront construits. Un à Medina Yorofula,
3 à Velingara et 4 dans le département de Kolda. Cette cérémonie entre dans le cadre plus général du programme de modernisation des Dara, initié par son Excellence le président de la République, le président Macky Sall, qui, après l'évaluation du PEDEF, du programme décennal de l'éducation et de la formation, qui a couvert la période 2000-2011, a noté qu'il y avait encore des défis à relever dans le secteur de l'éducation, notamment le défi de la diversification de l'offre éducative. Nous n'avons nul doute que cette école, une fois achevée, sera ce lieu d'épanouissement que nous souhaitons tous pour nos enfants. C'est pourquoi le Khalife général de la famille chérifienne, préoccupé par le rayonnement des foyers religieux, vous demande, Monsieur le ministre, d'être son porte-parole auprès de son Excellence, Monsieur Macky Sall, de la Banque islamique de développement et de tous les autres partenaires pour les transmettre les sincères remerciements de l'ensemble de la communauté musulmane. À Kolda, la cérémonie de pose de la première pierre du Dara moderne non public a réuni toute la communauté religieuse, les autorités administratives et coutumières. Le choix porté sur la famille Haïdara du quartier de Medina Chérif n'est pas fortuit. C'est une coïncidence, mais en réalité, ça n'est pas une. Parce que quoi de plus normal, quoi de plus compréhensible qu'on pose la première pierre du projet de construction d'un Dara, d'une école coranique, chez le petit-fils sur qui le Coran est descendu, avec le mot Iqra. C'est pour nous un signe de Dieu que ce projet du président Macky Sall est un projet béni et qu'il va produire les résultats escomptés. La dernière étape de cette tournée a été consacrée à la visite auprès du Khalif Tcherno Aliou Tcham du village de Medina El Hadj, situé à environ 17 km de Kolda. Devant une foule de talibés venus assister à la ziara annuelle, le marabout a prié pour un espace scolaire apaisé et un Sénégal prospère. Modernisation des Dara 64 vont être construits pour un montant de 2,32 milliards de francs CFA. Nous parlons de ces quartiers résidentiels dans le cadre de la série sur l'habitat. Les standings des quartiers résidentiels ont beaucoup changé. Point E garde certes ses habitations, mais le quartier devient de plus en plus une zone d'affaires avec la présence de plusieurs écoles et entreprises à Sacré-Cœur. L'image commence à renvoyer à celle d'un quartier populaire. Seule fin de résidence semble maintenir son statut. Le quartier reste calme et bien sécurisé. Le sort des quartiers résidentiels, c'est un reportage de Pabou Nachawa. Des rues désertes, un calme plat, peu d'activité humaine. L'ambiance d'un quartier résidentiel. Ces lieux sont presque un refuge pour une certaine catégorie sociale. Ici, à fin de résidence par exemple, les villas sont occupées par des autorités venues chercher la tranquillité et la discrétion. Puis il n'y a que des patrons qui habitent ici ou bien des professeurs. Des professeurs. Ouais, le calme. C'est un quartier vraiment calme. Dans les rues, les agents de sécurité sont plus présents que les riverains, ce qui indique que le quartier est fortement sécurisé. Sur 100, ils ont au maximum 97 à 98% de sécurité. C'est cerné par des gens qui s'y connaissent. Ils ont duré ici dans ce quartier-là. Au point E, le constat est différent. Les rues sont plus animées et les villas ont été transformées en commerce ou écoles de formation. Le coin est plutôt devenu un véritable quartier des affaires. Depuis 1988, je suis vraiment par rapport à Glegi. J'ai vécu dans ce quartier depuis 1988. Il y a eu beaucoup de changements. Plusieurs propriétaires ont décidé de vendre leur maison et d'autres se sont lancés dans la location. C'est pourquoi tout a changé ici. Avant, ce n'était pas du tout la même chose. Il y avait le calme et la sécurité. Il y a les habitants du point. Et sinon, il y a les écoles, les entreprises qui sont là. Mais il n'y a pas quand même de gens qui sont venus habiter carrément, non. C'était les habitants auparavant, et maintenant il y a les entreprises. Donc les gens habitent maintenant avec les entreprises. Des transformations qui ont beaucoup altéré la vie des résidents.
C'est un grand problème pour nous, parce qu'on est dans le quartier. On sait que, par exemple, le quartier est en train d'être construit, mais en sachant que, au niveau des tuyauteries par rapport à la sonnette et consort, ça commence à avoir des problèmes. À Sacré-Cœur, le décor n'est pas plus reluisant. Difficile de trouver les traces de l'ancien quartier résidentiel. Ici, l'on parle plutôt de l'influence négative de l'ancien standing de vie sur les jeunes. Il y a plus de jeunes, si vous regardez dans les quartiers résidentiels, ce qu'on appelle les SICAB, les HLM, regardez, si vous faites les statistiques, les jeunes chômeurs sont plus nombreux que les vieux retraités. Mais attends, il y a un problème. Et comment vous gérez cette situation-là? C'est qu'il n'y a pas une philosophie qui accompagne ce niveau de standing. Fanresidence.e, Sacré-Cœur, d'anciens quartiers huppés de Dakar qui, aujourd'hui, ont du mal à tenir leur statut de zone résidentielle. Ces zones ont perdu de leur tranquillité et de leur calme. Et conséquence, la haute classe sociale a tout simplement déserté. Avoir une maison à Dakar ne fait plus rêver. L'assiette foncière de la capitale s'est beaucoup rétrécie. Les populations s'en sont rendues compte. Du coup, elles jettent leur dévolu sur de nouvelles destinations où l'habitat social est en plein essor. Diamniadio, Bambilor, Nyerirat ou Tiawanpel, zoom sur ces nouveaux lieux de résidence avec Ibrahim Andong. Une zone, deux types d'habitat. Les Niaï. D'un côté, les habitations traditionnelles résistent encore à l'usure du temps. D'un autre, de nouveaux bâtiments sortent de terre. L'image des belles cités. Bambilor, un village fondé en 1928. Parmi ses fondateurs, l'un des grands-parents de cette dame qui a fini de souffler ses 63 bougies. Au début, Bambilor n'était pas populaire. Parce que nous avons presque des dizaines d'habitations, mais maintenant, Bambilor grandit. Les constructions s'enchaînent dans la zone. À Nyahirat, la cité offre une belle vue. Certaines familles ont fini par s'installer depuis longtemps en provenance de Dakar. C'est le coût du foncier à Dakar qui est élevé. Si vous voulez acheter un terrain de 150 mètres carrés, vous allez dépenser combien? 50 millions, 30 millions. Alors, si vous venez ici dans ces zones-là, vous achetez un terrain à 6 millions, 7 millions, vous faites une construction à moins de 50 millions. Même avec 50 millions, vous pouvez faire deux maisons ici. Bon, ensuite, maintenant, aussi, comme il y a l'autoroute à péage. C'est d'ailleurs cette autoroute à péage qui nous conduit à Diamniadio. Sur place, la gare routière nous souhaite la bienvenue. L'ambiance qui y règne renseigne à suffisance sur la vie de la commune. Diamniadio est aujourd'hui dans une dynamique de développement continu. C'est la grâce au pôle urbain, une vision du président Sall qui commence à porter ses fruits. Ici, les habitations s'illustrent par le grand espace, ce qui permet même aux propriétaires d'y pratiquer d'autres activités génératrices de revenus. À vendre, une affiche très fréquente dans ces nouvelles destinations, une affiche synonyme de la disponibilité de l'assiette foncière dans cette partie de la capitale. Demain, dans le dossier Habitat social, vous aurez deux reportages, le nouvel agenda urbain de l'État et l'habitat écologique comme solution pour les familles en quête d'un nouveau toit en conformité avec l'environnement. Campagne rizicole 2016-2017, des centaines de tonnes de riz blanc et du paddy en souffrance dans la vallée pour cause de mévente. Le constat a été fait lors de la tournée du ministre de l'Agriculture ce week-end dans la vallée. L'occasion pour l'ensemble des acteurs de la chaîne Valeur Riz de lancer un cri du cœur pour l'achat de ce stock de riz d'une très bonne qualité. Penabawa. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural encore dans la vallée du fleuve Sénégal et c'est dans le cadre d'une tournée de suivi de la campagne rizicole dans toute sa chaîne de valeur. Le principal résultat obtenu de ce suivi, la disponibilité d'une grande quantité de riz blanc et du paddy avec une qualité sans commune mesure. Je suis étonné d'entendre dire qu'il n'y a pas de riz. Non, nous avons du riz en quantité et du riz en qualité. La quantité de riz transformée est énorme. Nous n'avons plus d'espace pour stocker le riz. Isine
ñëwuma dama arrêté ndax amatuma fuma def sama ciéx amna ñu quantité bu important ba nga xamné ñu ngi am ñu ngi en paddy. Nous avons une grande quantité de riz paddy mais aussi une grande quantité de riz blanc et de très bonne qualité. Il faut donc consommer le riz sénégalais avant de penser à importer du riz. Stock bi fi nek jënd ko ba paré bala ñuy def ben programme bu nga xamné mo jëm ci walu consommateur. Autre lieu au même décor, c'est-à-dire un stock d'une centaine de tonnes destiné toujours à la consommation mais qui n'arrive pas à trouver acquéreur. Nous avons eu 750 tonnes de riz blanc et plus de 6 000 tonnes de riz paddy qui sont déjà en souffrance ici, dans la vallée. Monsieur le ministre, que vous n'écoutiez pas les saboteurs qui font tout pour saboter vos efforts et les efforts du président de la République. Nous, producteurs, nous sommes derrière vous, nous sommes derrière le président de la République avec ses efforts et Inch'Allah, ses objectifs, nous allons l'atteindre. Actuellement, il y a plus de 500 tonnes de riz blanc non vendues. Et 2500 tonnes de riz paddy non encore transformées. Cela pose véritablement problème. Au vu de tout cela, l'on peut donc affirmer que du riz de qualité existe bel et bien au Sénégal. Il faut cependant relever le défi de la commercialisation. Le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour que le riz que vous avez produit et transformé dans d'excellentes conditions trouve acquéreur. Et que notre pays tende résolument vers l'autosuffisance rizicole, qu'on devrait même appeler l'indépendance rizicole. Et enfin, les questions agricoles sont des questions nationales. Nous voulons assurer notre dignité, davantage de dignité, en produisant ce que nous mangeons. Alors, que chacun joue sa partition. En tout cas, le gouvernement fera tout pour vous accompagner. Et docteur Papa Blaisek d'ajouter qu'il faut maintenant se mettre au travail car tous les facteurs sont réunis pour relever le défi. Janice Florent de l'activité économique en Casaubon. C'est la société du domaine industriel de Ziguinchor, Sodizi, est dans une situation peu reluisante. Avec 13 entreprises implantées lors de sa création, rares sont celles qui fonctionnent encore. Aujourd'hui, la Sodizi a besoin d'un nouveau souffle pour exploiter pleinement les potentialités de cette partie du sud du pays. Moussa Mbale. Une vue aérienne nous renseigne sur l'état des lieux du domaine industriel de Ziguinchor. Bâti sur une superficie de 3 hectares, ici règne un calme précaire. Elles étaient 13 entreprises implantées lors de la création de la Sodizi en 1975. Des unités industrielles choisies sur la base des potentialités économiques de la région. Le gouvernement du Sénégal a voulu mettre en place cette politique en créant une structure qu'on appelle la SONEPI, Société Nationale d'études et de promotion industrielle qui était chargé de procéder à l'implantation des domaines industriels dans tout le Sénégal. Les entreprises avaient bénéficié d'un encadrement de la part de la SONEPI, l'ancienne Société Nationale d'études et de la promotion industrielle, pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Mais aujourd'hui, beaucoup ont mis la clé sous le paillasson. Ces entreprises ont été initiées et sensibilisées à la bonne direction de l'entreprise. La fabrique de savon du GIE Girassi fait partie des rares unités qui refusent l'agonie. Créée par ce titulaire d'une maîtrise en physique-chimie, Sankoum Girassi avait monnayé son savoir en Côte d'Ivoire. 10 ans après, il s'installe ici dans l'espoir de contribuer à la création d'emplois. Si vous regardez tout autour de nous, ici, les Casassiens ou bien les Sénégalais qui sont là, ça ne dépasse pas d'eux. Je suis le seul qui a créé ici une entreprise industrielle. Il y a soit des Libanais ou bien des Européens qui ont de grosses entreprises ici. Eux, ils viennent avec des gros moyens, ils s'installent. Mais les Sénégalais qui sont là, ils ont soit des ateliers, comment dirais-je, de mécanique générale, des ateliers de menuiserie. C'est pas ça, quoi. Mais nous voulons quand même avoir des Casamançais, des Sénégalais comme nous, qui vont créer de véritables industries pour pouvoir créer des centaines d'emplois. C'est ça qui peut avancer cette région-là. D'autres unités alimentaires résistent encore. C'est le cas de l'unité de fabrique de glace. On se bat pour se maintenir, pour maintenir l'activité de production, mais en fait, c'est pas facile. Parmi les difficultés évoquées, l'accès au financement et aux ressources constitue la principale difficulté. La vétusté des installations, la concurrence déloyale. Ici, c'est à peine si on arrive à assurer la production journalière. Les possibilités d'extension qui vont permettre d'augmenter un salaire encore
entre 16 et 17 entreprises sur une superficie annuelle d'au moins 500 m2. Mais aussi, le domaine a besoin de réhabilitation. Réhabilitation, puisque le domaine s'est construit tout seul. Il y a des bâtiments un peu vétustes qu'il faut réhabiliter. Dans les temps, on avait créé ce qu'on appelle la Prousie. La Prousie était venue ici pour faire un investissement, pour faire des locaux pour les investisseurs. Mais après, on n'en a plus parlé, on n'en a plus rien vu. Et les surfaces même sont là, et ça n'a jamais vu le jour. Franchement, on déplore ce fait-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient investir, créer des emplois, créer des entreprises pour la création, mais ils ne peuvent pas trouver de locaux adéquats. Et un accompagnement par la loi 77-90, c'est-à-dire qui les exonère pendant 7 ans à 8 ans de ce qu'on appelle l'impôt sur le BIC et de la patente. Aujourd'hui, les responsables et les entrepreneurs se posent la question sur l'avenir de ce domaine industriel. Et pourtant, à côté, des générations entières sont en train d'être formées aux différents métiers dans l'espoir d'obtenir un jour un emploi ailleurs et pourquoi pas ici. Et puis dans le cadre de la réhabilitation de certains sites industriels, le ministre de l'Industrie et des Mines, Aligou Ndiaye, était ce matin à l'ex-Solida et ex-Sonepi. Nous reviendrons avec d'autres reporters sur les temps forts de cette visite. Dans l'actualité internationale de ce mardi, nous parlons de la République démocratique du Congo, des États-Unis et de la Turquie, mais également de la Côte d'Ivoire, où le gouvernement ordonne les forces de l'ordre de libérer les 6 journalistes arrêtés. Anaïs Nyanyamane. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes ont été arrêtés et incarcérés pour fausses informations lors des récentes mutineries de soldats. Détenu depuis plus de 24 heures à la gendarmerie, le syndicat de la presse privée a exigé leur libération immédiate sans condition. Les autorités leur reprochent d'avoir diffusé de fausses nouvelles de nature à inciter les soldats à la révolte. Le gouvernement a ordonné cet après-midi leur libération. En République démocratique du Congo, 8 personnes soupçonnées d'appartenir à une secte politico-religieuse ont été blessées lors des heurts avec les forces de l'ordre. Selon la police, 22 personnes ont été interpellées après ces affrontements. Le service d'information des forces de l'ordre d'ajouter que l'opération de la police contre des miliciens est toujours en cours. Aux États-Unis, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump a démissionné. Michael Flynn est mis en cause pour des contacts inappropriés avec la Russie. Dans sa lettre de démission, il a reconnu avoir, par inadvertance, trompé plusieurs personnes avec des informations incomplètes. En Turquie, 200 personnes se sont rassemblées sous la haute surveillance policière. Devant une faculté de droit à Istanbul, ils protestent contre les récents limogeages de professeurs d'université et de fonctionnaires. Pour rappel, depuis le coup d'État manqué du 15 juillet dernier, 41 personnes ont été arrêtées en Turquie. Et puis, ce communiqué de l'ambassade d'Israël à Dakar, tient à préciser que le gouvernement israélien n'a pris aucune décision officielle relative à la rupture définitive des relations diplomatiques israélo-sénégalaises. Les services de l'ambassade d'Israël à Dakar restent toujours ouverts. Le gouverneur de la région de Louga a organisé une randonnée pédestre pour marquer le démarrage des journées sportives régionales, une occasion pour sensibiliser les populations sur les bienfaits du sport. Le gouverneur compte institutionnaliser ces journées sportives à Diana Badja. Après une bonne séance d'échauffement, les randonneurs s'élancent sur un circuit à travers les artères de la ville. Les autorités ont participé à la randonnée. Celle-ci est l'une des activités phares des journées sportives régionales. Nous comptons faire de ces journées un rendez-vous sportif régional annuel. Et donc les perpétuer en vue donc d'appeler les populations à faire du sport vraiment donc une habitude, afin de lutter contre les maladies donc dues à la sédentarité. Ils étaient nombreux à faire le tour de la ville. L'objectif, encourager les populations à pratiquer le sport pour préserver leur santé. La deuxième journée sera d'ailleurs consacrée à une causerie sur les vertus du sport. Il y aura aussi des causeries sur la pratique du sport, mais aussi des causeries sur comment faire pour donner les premiers soins à quelqu'un qui est victime donc d'une attaque cardiaque. Partout où
les randonneurs sont passés, les populations sortent pour écouter le message véhiculé. Ce n'est que le début de la sensibilisation sur les bienfaits du sport. Et le gouverneur de la région de Louga reste convaincu que la mobilisation sera plus forte au prochain rendez-vous. Djibril Samb est l'heureux gagnant du jeu SMS Cannes 2017. Il a remporté la belle voiture 4x4 et a reçu les clés de son véhicule des mains du directeur général de la RTS, Hassine Tala. Hamidou Diop. Voici l'heureux gagnant du jeu SMS Cannes 2017 sur la RTS. Djibril Samb, habitant de la Médina, est tout sourire dans son véhicule. J'avais juste joué par passion de l'équipe nationale. Si vous voulez bien, c'est l'équipe nationale qui m'avait motivé de jouer. Parce que dans l'espoir qu'on allait aller très loin, avoir même la coupe, pourquoi pas. Donc vous ne vous attendiez pas à gagner la voiture? Non, non, tu sais, hein, c'est pas un jeu de hasard. Mais du moment que je connais pas mal de trucs dans le foot, parce que moi je suis footballeur, hein, je connais le ballon. Bon, donc je pouvais faire la balance avec intuition de savoir quelle équipe qui va gagner. Le tirage au sort a eu lieu à l'occasion d'une émission spéciale Galaxy Sport, émission qui revenait sur la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, une CAN qui avait aussi la présence de nombreux sponsors. Comme vous avez été plus sportif que lui, lui disait qu'il voulait gagner parce qu'il est homme d'affaires. Vous disiez qui gagne, c'est Dieu. Et Dieu est venu vers vous. Mais vous n'avez pas démérité. Ça nous a permis déjà d'avoir un très beau plateau. Et puis cette année, nous avons tenu vraiment à communier avec le public. Juste pour rester sur notre slogan, le public, notre raison d'être. Donc on a eu deux innovations majeures, à savoir la fun zone qui a été vraiment une réussite au niveau du Grand Théâtre, mais également ce jeu SMS. Ce jeu SMS, la RTS a été accompagnée par des partenaires comme Sartrec Vitalé, comme CCBM. Des milliers de personnes ont joué, mais c'est Djibril Samb qui a remporté le jackpot. Il est satisfait, tout comme les partenaires de la RTS. Et nous avons été très, 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 très satisfaits, surtout de la visibilité de nos produits, par exemple, durant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Pratiquement, aujourd'hui, nous, par exemple, au niveau par exemple, de l'entreprise, on voit les résultats. Parce qu'il ne se passe pas un jour où on ne reçoit pas entre 5 et 10 clients qui viennent demander spécialement ce véhicule-là. Donc. Saba, l'autre finaliste, a lui gagné le billet d'avion Air France. Attachez vos ceintures, hein, messieurs. Je vous envoie dans un monde où l'amour est roi. La planète Eros, ce jour, c'est la Saint-Valentin. Avec ce constat, l'amour n'a pas d'âge, ni de frontières, ni de race, ni de couleur. Et la preuve par ce couple mixte qui vit un amour traditionnel, mais somme toute éternel. Léon et Juliette Manga, un jeune couple français et sénégalais qui habite à Ziguinchor, ils ont bien voulu nous ouvrir leurs portes et partager avec nous leur vécu quotidien. Kaltom Gay. Abouti à un grand amour, c'est ainsi que l'on peut résumer l'histoire d'amour qui existe entre Léon et Juliette. Une rencontre, un mélange de cultures, ce couple illustre parfaitement l'adage qui dit que l'amour n'a pas de couleur. On était des amis depuis 2006 jusqu'en 2015. C'est là où tout a commencé. Bon, c'est vrai, on s'est connus il y a très longtemps parce que moi, je venais en vacances chaque année pendant 2 semaines ou 3 semaines. Après, donc du coup, je revenais 15 jours, 3 semaines. Je repartais pendant 1 an, je revenais. Donc, on s'est rencontrés en 2006. On se revoyait chaque année. Bon, en tant qu'amie, parce que moi, je venais que 2 semaines ou 3 semaines. Et c'est quand je suis venue habiter à Ziguinchor en 2015. On s'est revus, là ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vus parce que j'étais pas revenue et on s'est recroisés et puis on a pris contact et puis après voilà, on est sortis ensemble et puis voilà, jusqu'à présent qu'on est mariés. Moi je pense que quand on a décidé de se marier, moi je regarde pas la couleur, je vois la personne que j'aime, donc je fais pas de distinction entre sa couleur et la couleur. Moi, je pose mon amour et elle l'accepte. Donc, on vit ensemble en tant qu'amoureuse. Rencontrée chez eux à Koloban, un des quartiers de Ziguinchor,
Ils ont bien voulu nous ouvrir leurs portes, nous parler de leur vécu, un quotidien qui ne manque pas de piquant. Des fois, je suis un peu, pas jaloux, mais un peu énervé parce que les hommes, ils ne lâchent pas. Bon, lui, il dit qu'il n'est pas jaloux, c'est vrai, mais moi, je suis jalouse. Donc, c'est vrai que c'est bon. Après, je lui fais confiance. Donc, ça se passe bien parce que j'ai confiance en lui. Donc, je sais que il répond pas, mais c'est vrai que... Voilà, quoi. Il est sollicité, quoi. Mais c'est normal, il est beau, donc... Et quand Juliette parle de son homme, c'est que des éloges. C'est qu'il est... C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui est très gentil. Et donc, du coup, on a un très bon contact, lui et moi. Moi, je suis plutôt à parler beaucoup, hyper expressive. Et lui était un peu réservé, un peu timide au début. Donc, c'est comme les contraires s'attirent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, pour nous, ça a été le cas. Il est très attentif à moi, à notre fils, à notre entourage, à mon bien-être. Donc, c'est... Vu comme ça, ça a l'air d'être un bon mari, mais c'est surtout un bon papa. Quand on le voit avec le bébé, quand il fait prendre le bain au bébé, quand il lui change les couches, qu'il a du caca jusque-là et qu'il essuie le caca, c'est pas courant chez un homme ça. Et lui, il le fait très bien. C'est pourquoi Madame gère bien son foyer avec beaucoup d'attention. Elle a ses astuces qui ravit son mari. Oui, elle est jeune. Elle a les deux qualités, jeune sénégalaise et jeune française. J'ai des trucs à moi aussi pour comme toutes les filles, mais c'est vrai que je suis pas trop de choses sénégalaises, les pannes percées là, tout ça. Je connais, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore essayé. Mais peut-être que. Elle est bien. L'harmonie est constante dans la maison, les animaux. Les parents, tout un chacun joue son rôle pour maintenir cette ambiance. Papy François concocte même chaque soir de petits plats pour la famille, tout pour maintenir le bonheur de ses enfants. Et puis ils sont bien tous les deux. Ils se complètent. Ils se complètent. Je pense que pour l'instant c'est une belle histoire. Après, vous leur avez posé la question, lui il a répondu oh oui, je l'aime pour la vie, tout ça, ça. Je surveille. Conscient des différences ou même des difficultés qui peuvent exister, quelques conseils sont nécessaires selon Hélène, la sœur de Léon. La Saint-Valentin ou fête des amoureux est l'occasion par excellence pour les couples de renouveler leurs amours. Pour Juliette et Léo Manga, cette fête est célébrée tous les jours en famille. On aurait bien pu dire Léon, Roméo et Juliette Manga. Bonne fête à tous les Valentins et les Valentines à l'occasion de cette Saint-Valentin, la fête de l'amour. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall, invité d'honneur de la fête de l'indépendance de la Gambie le 18 février prochain. L'annonce est du ministre gambien des Affaires étrangères, Ousseynou Darbo. Dans la foulée, la CDAO a transféré tout l'armement qui se trouvait à Kanilaï. Décision de l'état-major de la force sous-régionale en mission dans ce pays. Focus ce soir sur les quartiers résidentiels de Dakar. Que de disparités et de mutations. Si certains gardent encore jalousement ce statut, d'autres le perdent sans qu'il y ait gare. Dans le même temps, les pôles urbains accueillent de nouveaux habitants. Des sites, des visages différents à suivre dans la série sur l'habitat que nous vous proposons. L'amour plus fort que tout, encore plus fort que jamais. Malgré les turpitudes de la vie de couple, la rose rouge refuse de se faner et résiste. Contre vents et marées, les sentiments se consolident et font battre les cœurs de monsieur à madame en passant par mademoiselle. La Saint-Valentin tient toujours son Eros.
Bonsoir à tous. Le président de la République est de retour à Dakar en provenance des Émirats Arabes Unis. À Dubaï, le chef de l'État a pris part au sommet mondial sur la gouvernance. C'était à l'invitation de l'émir de Dubaï à son arrivée dans la soirée. À Dakar, le président Macky Sall a été accueilli par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le président de la République a reçu à Dubaï plusieurs investisseurs prêts à accompagner le Sénégal dans ses projets d'envergure. Le président Macky Sall a également eu un déjeuner d'affaires avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Zayed Al Nahyan, vice-commandant suprême des forces armées des Émirats Arabes Unis. La synthèse de Abou Bakri Kad. La coopération bilatérale entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis en général et l'émirat d'Abu Dhabi en particulier, a de beaux jours devant elle. Le prince héritier Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan et le président Macky Sall ont, à travers cette rencontre, échangé sur la politique internationale, la paix, la sécurité et la lutte contre l'extrémisme violent. Les Émirats et le Sénégal, qui partagent les valeurs de paix et de convivialité, se sont engagés à promouvoir l'image authentique de l'islam. À Dubaï, le chef de l'État a également reçu plusieurs partenaires, notamment des institutions financières qui ont exprimé la volonté d'investir au Sénégal. Nous avons mis à la disposition de Son Excellence, Monsieur le Président, et du Sénégal beaucoup de solutions à beaucoup de financements ou de besoins en financement pour continuer à faciliter la croissance de ce pays. Notre ambition, c'est bien sûr de continuer à accompagner la République pour des emprunts sur les marchés des capitaux et aussi pour des opérations plus ciblées sur des projets d'infrastructure dans le Sénégal, au Sénégal. Il s'agit pour ses filiales d'accompagner le président Sall dans la réalisation de ses projets d'envergure, non sans apprécier la situation économique et financière de notre pays. Nous avons rencontré certainement les banques les plus importantes du monde, soit Citibank, que ce soit Deutsche Bank, que ce soit JP Morgan, Standard Chartered, Standard Bank. C'est un réconfort, c'est une satisfaction que de voir toutes ces institutions crédibles dire ce qu'elles pensent de la gouvernance du président Macky Sall, dire ce qu'elles pensent des projets qui sont en train d'être mis en œuvre au Sénégal, mais surtout montrer leur disponibilité à accompagner le Sénégal sur les marchés financiers internationaux. Bonjour. 3 ans après la mise en œuvre du PSE, les résultats sont appréciables. Il n'y a pas un seul projet sur lequel ces institutions ont émis des réserves. Le cadre macroéconomique, la baisse du déficit budgétaire et la maîtrise de l'inflation sont certainement à la base des performances enregistrées ces dernières années. Des efforts importants sont faits en matière d'environnement des affaires, que ce soit au niveau de la fourniture de l'énergie individuelle et enfin beaucoup de munitions. Selon le commandement de la force ouest-africaine, toutes ces armes de guerre vont être transférées ailleurs puisque le site sur lequel elles se trouvent est après tout un domaine privé. Et puis ce communiqué du cabinet du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, lundi 13 février 2017, des éléments de la brigade des douanes de Saraya ont effectué une intervention dans la commune de Rosanto à la suite d'une vive altercation entre douaniers et orpailleurs. Un coup de feu a été tiré et a atteint mortellement le nommé Yamadou Sanya. Le gouvernement regrette vivement ces incidents et condamne les actes de violence qui ont abouti à une mort d'homme. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime, appelle les populations au calme, à la sérénité et les invite à laisser la justice faire son travail. En effet, suite à l'arrestation des 2 douaniers mis en cause pour les besoins de l'enquête, le parquet a ouvert une information judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour que justice soit rendue, le ministre porte-parole du gouvernement. L'Institut sénégalais des administrateurs, ISA, a lancé son programme gouvernance d'entreprise. Il réaffirme son engagement à mettre la bonne gouvernance au service du développement de l'entreprise. L'ISA mène des actions d'information et de promotion des bonnes pratiques destinées à améliorer la performance des entreprises. Rouya Touba.
Pour être performantes et compétitives, les entreprises doivent adopter de bonnes pratiques érigées en règles de gouvernance d'entreprise. La gouvernance d'entreprise, c'est le levier qui permet aux entreprises d'asseoir des décisions correctes dans leur gestion et dans leur stratégie. L'entreprise privée est le moteur de la croissance et du développement économique dans un pays. Par conséquent, quelle que soit l'importance de l'investissement public, si les entreprises privées ne prennent pas le relais pour assurer le développement et assurer la création de richesses au niveau de l'économie du pays, le développement ne peut pas être assuré. Et ce développement-là, c'est cette croissance, cette stratégie d'entreprise doit être envisagée dans le cadre d'une bonne gouvernance des entreprises concernées. La gouvernance d'entreprise est gage d'efficacité et vecteur de croissance pour les secteurs publics et privés. Il faut cela pour assurer les bailleurs, il faut également cela pour rassurer les actionnaires. Ça, c'est pour le secteur privé. Mais pour le secteur public également, la bonne gouvernance, elle est importante. Les grandes entreprises d'État doivent donner l'exemple de bonne gouvernance. C'est ainsi que, dès l'adoption du Code en 2011, le Premier ministre a pris une circulaire pour imposer à tous les conseils d'administration de ces entreprises publiques d'adopter ce code de gouvernance et aux administrateurs également de signer la charte de l'administrateur. Toutes les entreprises peuvent adhérer au code de gouvernance. L'Institut sénégalais des administrateurs veille à la mise en œuvre des bonnes pratiques par des entreprises en quête d'efficacité. Retour sur le séjour du président Macky Sall à Dubaï, le chef de l'État a reçu Roger Nord, directeur adjoint département Afrique du FMI. Il s'est réjoui des performances du Sénégal, aussi bien au niveau de la croissance qu'au niveau des investissements privés. Il a aussi évoqué la situation sous-régionale tout aussi bonne. Roger Nord au micro de Oumar Nying. C'était pour moi un grand plaisir et un honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République. Nous avons parlé surtout de la situation régionale dans l'UMOA, une région qui se porte bien aujourd'hui avec des taux de croissance importants, mais qui fait aussi face à des défis communs, comment financer les investissements qui sont importants pour la croissance, comment maintenir une dette soutenable et la stabilité financière de la zone. Nous avons eu un très bon dialogue. Le Sénégal est sur une voie très positive, on le voit d'ailleurs dans la croissance qui maintenant, deux années de suite, a été bien au-dessus de 6%, on le voit dans les investissements qui se réalisent. Et on le voit aussi dans l'investissement croissant étranger qui... Le gouvernement du Sénégal demeure pour sa part convaincu que la lutte contre l'extrémisme violent requiert une coopération forte entre pays amis et ceux partageant le même espace sous-régional et régional, car les menaces asymétriques sont transfrontalières et leurs réseaux ont des connexions mondiales. Cette célébration des 10 ans de l'école des officiers de la gendarmerie nationale a débuté ce 12 février. Elle prendra fin ce samedi 18. 2,32 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la modernisation des daras modernes au Sénégal. Au total, 64 daras seront construits. La cérémonie de lancement a eu lieu à Kolda, au quartier Medina Sherif. Massamba Tchana. Voici le premier coup de truelle qui symbolise la construction des 64 daras modernes initiés par le président de la République et financés par la Banque islamique de développement. Dans le Fouladou, 8 daras modernes seront construits. 1 à Medina Yorofoula, 3 à Velingara et 4 dans le département de Kolda. Cette cérémonie entre dans le cadre plus général du programme de modernisation des daras initié par son Excellence le président de la République, le président Macky Sall, qui après l'évaluation du PEDEF, du programme décennal de l'éducation et de la formation, qui a couvert la période 2000-2011, a noté qu'il y avait encore des défis à relever dans le secteur de l'éducation, notamment le défi de la diversification de l'offre éducative. Nous n'avons nul doute que cette école, une fois achevée, sera ce lieu d'épanouissement que nous souhaitons tous pour nos enfants.
C'est pourquoi le calife général de la famille chérifienne, préoccupé par le rayonnement des foyers religieux, vous demande, Monsieur le ministre, d'être son porte-parole auprès de son Excellence Monsieur Macky Sall de la Banque islamique de développement et de tous les autres partenaires pour les transmettre les sincères remerciements de l'ensemble de la communauté musulmane. À Kolda, la cérémonie de pose de la première pierre du Dara moderne non public a réuni toute la communauté religieuse, les autorités administratives et coutumières. Le choix porté sur la famille Haïdara du quartier de Medina Chérif n'est pas fortuit. C'est une coïncidence, mais en réalité, ça n'est pas une. Parce que quoi de plus normal, quoi de plus compréhensible qu'on pose la première pierre du projet de construction d'un Dara, d'une école coranique, chez le petit-fils sur qui le Coran est descendu avec le mot Iqra. C'est pour nous un signe de Dieu que ce projet du président Macky Sall est un projet béni et qu'il va produire les résultats escomptés. La dernière étape de cette tournée a été consacrée à la visite auprès du calife Tcherno Aliou Tcham du village de Medina El Hadj, situé à environ 17 km de Kolda. Devant une foule de talibés venus assister à la ziara annuelle, le marabout a prié pour un espace scolaire apaisé et un Sénégal prospère. Modernisation des Dara 64 vont être construits pour un montant de 2 milliards 32 millions de francs CFA. Nous parlons de ces quartiers résidentiels dans le cadre de la série sur l'habitat. Les standings des quartiers résidentiels ont beaucoup changé. Point E garde certes ses habitations, mais le quartier devient de plus en plus une zone d'affaires avec la présence de plusieurs écoles et entreprises à Sacré-Cœur. L'image commence à renvoyer à celle d'un quartier populaire. Seule fin de résidence semble maintenir son statut. Le quartier reste calme et bien sécurisé. Le sort des quartiers résidentiels, c'est un reportage de Pabou Nachawa. Des rues désertes, un calme plat, peu d'activité humaine. L'ambiance d'un quartier résidentiel. Ces lieux sont presque un refuge pour une certaine catégorie sociale. Ici, à fin de résidence Paris. Mais aussi de la capacité de nos administrations à accueillir, à soutenir les investisseurs dans un cadre sain, dans un cadre sûr. Je pense que c'est tout cela qui est magnifié aujourd'hui par les investisseurs que nous avons rencontrés et qui souhaitent accompagner la vision du président Macky Sall. Infrastructure, énergie et tourisme sont entre autres les secteurs pour lesquels les investisseurs reçus par le chef de l'État ont manifesté de l'intérêt. D'autres comptent travailler comme conseil du Sénégal en notation souveraine sur le marché des capitaux. Le président Macky Sall sera l'invité d'honneur de la fête nationale de la République de Gambie. Un témoignage de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pendant la période difficile que vient de vivre ce pays. Reçu cet après-midi par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ousseynou Darbo, a transmis le message du président Adama Barrow et du peuple gambien. Le voici au micro d'Oumar Nying. Je suis venu adresser au président Macky Sall un message de fraternité et les salutations fraternelles de son ami et frère, le président Adama Barrow, pour tout ce que le Sénégal a fait pour la Gambie durant la période très difficile que la Gambie a eu à traverser. Le président Macky Sall a non seulement accueilli le président Adama Barrow ici au Sénégal, mais c'est ici au Sénégal qu'il a prêté serment. C'est un témoignage de teranga, de fraternité, d'amitié. Et je suis venu ici pour apporter ce message de fraternité et dire toute l'appréciation du président Adama Barrow à l'endroit de son frère Macky Sall, mais aussi toute l'appréciation du peuple gambien, frère au peuple sénégalais. Le président Macky Sall sera l'invité d'honneur de la fête nationale de la République de Gambie. C'est un événement que nous préparons au niveau de la Gambie. Le président Macky Sall quitte
quitte juste une chambre de sa maison pour venir vers une autre chambre de sa maison, parce que le Sénégal et la Gambie, c'est un même peuple, c'est un même pays. Nous préparons l'événement et nous considérons que le président Macky Sall mérite largement d'être l'invité d'honneur de la fête nationale de la Gambie. He's in the Gambia, so that of course, you know, he's going to be received by his own people. Dans le même temps, tout l'armement qui se trouvait à Canilaï sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh va être transféré ailleurs. C'est la décision que l'état-major de la force de la CEDEAO en Gambie vient de prendre. L'arsenal va être stocké dans d'autres endroits qui répondent à la réglementation en vigueur dans ce pays, dans ce domaine précisément. Envoyé spécial à Banjul, à Medumbaïdoum. Dans le sud-ouest du territoire gambien, dans une zone frontalière avec le département de Bindiona, la localité de Canilaï, village natal de l'ex-président Jammeh, a acquis, sous le régime de ce dernier, une autorité très particulière, voire sulfureuse, au détriment de Banjul, la capitale, Serekunda, Bakau ou Brikama, par exemple, des villes plus importantes dans ce pays. De Canilaï, l'opinion étrangère a tout attendu. Dernier rempart du président déchu. Place forte inexpugnable. Bref, pendant longtemps, tout a été ici, mystère, secret, avec des histoires dont on a toujours parlé et qui sont les plus invraisemblables les unes que les autres. Aujourd'hui, voici Canilaï dans toute sa nudité. Un domaine privé de 8 km² où les éléments de la force de l'Ecomic qui y ont débarqué pour la première fois, sous la conduite du général François Ndiaye, commandant la force militaire de la CEDEAO, ont été accueillis par le général Moussa Savage, commandant de la garnison locale qui, il faut le souligner, a, dès le départ, refusé avec ses hommes de combattre contre la force ouest-africaine, affichant plutôt toute sa disponibilité à collaborer avec les nouvelles autorités gambiennes. Après un entretien avec le général Savage, le général Ndiaye a aussi rencontré des membres de la famille élargie de Yahya Jammeh avant de jeter un œil sur l'arsenal militaire dont était pourvue la garnison. Des chars T-54 et T-55 fabriqués dans l'ex-bloc de l'Est, des BRDM, véhicules de transport de troupes, un armement anti-aérien, des armes qui arrivent. Et c'est bien ça dont le Sénégal a besoin. L'investissement public va devoir donner lieu à des investissements privés plus importants pour assurer une croissance soutenue et inclusive dans le futur. Jean-Génor, directeur adjoint département Afrique du FMI, reçu par le président Macky Sall ici à Dakar. L'Afrique de l'Ouest détient les eaux les plus poissonneuses au monde. Les ressources halieutiques rapportent en valeur commerciale 2 milliards de dollars par an. En lançant la deuxième phase du PRAO, la Commission sous-régionale de pêche CSRP veut élargir ses capacités d'action avec l'arrivée prochaine de nouveaux pays pour booster l'économie maritime. La première phase du PRAO tire à sa fin. Et la deuxième est lancée à Habib Oumaye. Personne ne voulait rater la photo de famille pour garder le souvenir d'une première phase qui tire à sa fin et démarrer une deuxième pour les acteurs du programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO. 6 années dont la coordination a été confiée à la Commission sous-régionale des pêches, CSRP. Que retenir à l'heure du bilan? Le bilan est assez positif parce que si vous prenez en compte... Aujourd'hui, on a constaté dans certains États bénéficiaires du PRAO du recul de la pêche INN, de l'augmentation des mises à terre. C'est un aspect assez significatif de l'expérience qui a été partagée au niveau du PRAO. Aujourd'hui, nous avons la perspective d'accueillir dans le PRAO la Côte d'Ivoire et peut-être prochainement le Togo et le Bénin. Donc l'expérience enrichissante que nous avons eue jusque-là justifie cette extension. Extension des objectifs orientés vers la réduction de la pêche illicite, de la gestion des pêches et de sa contribution dans les économies locales. Des actions soutenues par les partenaires dont la Banque mondiale. En Afrique de l'Ouest ne bénéficie pas du secteur des pêches à leur juste mesure, pour différentes raisons. Une première raison, c'était la pêche illégale. Dans beaucoup de pays, la pêche illégale était très importante, très très importante même dans le sud de l'Afrique de l'Ouest. Je pense notamment au Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, où vraiment, jusqu'à récemment, c'était des refuges pour des bateaux de pêche illégale.
Une deuxième raison, c'est la mauvaise gestion des pêches. En fait, si les bateaux sont trop nombreux par rapport à la quantité de poissons, eh ben, on arrive à la surexploitation. Et en fait, c'est une perte en termes de sécurité alimentaire, c'est une perte en termes de revenus aussi. Et la troisième raison, c'est le manque d'infrastructures ou bien le manque d'efficacité ou de productivité de la chaîne de valeur. Donc c'est ces trois raisons et c'est exactement les trois piliers du programme régional. Les eaux des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont réputées parmi les plus poissonneuses du monde. Chaque année, la production de poissons pêchés dans les eaux ouest-africaines est estimée à plus de 1,6 million de tonnes pour une valeur commerciale estimée à 2 milliards de dollars environ. Le PRAO mis en place par les pays membres de la CSRP, plus le Ghana et le Libéria, va continuer dans sa phase 2 à charrier des vagues d'espoir dans les côtes ouest-africaines. La caserne générale Mambouna Mafal a abrité un séminaire international sur la radicalisation religieuse des jeunes. Une rencontre présidée par le ministre des Forces armées et qui entre dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Sédina Alunfal. Creuset du savoir et de l'excellence, l'école des officiers de la gendarmerie nationale a célébré ses 10 années d'existence. Parmi les activités déroulées figure ce séminaire international, une rencontre qui a réuni d'imminentes personnalités, parmi elles des experts religieux et universitaires, des participants qui ont eu droit à une présentation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Notre jeune école, l'EOGEN, a jusqu'à ce jour formé au total 584 stagiaires, dont 209 élèves officiers et 375 officiers élèves provenant de 18 pays partenaires d'Afrique. Le ministre des Forces armées a présidé la rencontre qui a pour thème la radicalisation religieuse.